Salut les voyageurs et passionnés de technologie, nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici, je suis toujours en Turquie et j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo d'un rasoir électrique parce que si vous suivez un petit peu mes aventures et que vous regardez un petit peu mes vidéos, vous voyez que je vous parle de temps en temps des appareils que j'amène avec moi à l'autre bout du monde pour voyager qui sont à la fois petits, compacts, qu'on met dans sa valise et qui sont particulièrement utiles et pratiques, vraiment optimisés pour le voyage. Et au cours des dernières années, j'ai utilisé plusieurs rasoirs, du rasoir manuel normal jetable, au rasoir manuel à lame interchangeable, au rasoir électrique premier prix, au rasoir électrique prix moyen, au rasoir électrique le plus cher. Et j'ai toujours été plutôt contrarié parce que je trouvais que c'était pas forcément, ça correspondait pas forcément à ce que j'avais besoin. Et donc, je recherchais toujours le produit idéal. Et j'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui parlaient du OneBlade Pro en disant que les lames étaient vraiment très précises, que ça permettait de couper la barbe très très près de la peau. Et donc je me suis dit, je vais peut-être essayer. Donc aujourd'hui, j'utilise et je teste le OneBlade Pro de Philips, vous voyez, qui est ici, qui n'est pas très grand, donc qui tient assez facilement dans une valise. Celui que j'avais pendant à peu près 2-3 ans, c'était le Gillette, celui-là. Et on avait la possibilité donc de le déclipser ici, de le reclipser ici, et d'en faire une tondeuse pour le corps. Donc ça, c'était plutôt pratique. À l'intérieur, on a une batterie et la batterie, je la rechargeais avec des batteries en USB. Ici, vous voyez, j'ai un port USB. Et donc ça, ça m'a fait à peu près 3-4 ans. C'était plutôt bien, mais je me suis dit, je veux quelque chose d'un peu mieux et quelque chose que je peux utiliser aussi pour faire le corps, pour couper les poils du corps, pour couper la barbe, vraiment la totale, avec une grande autonomie. Et donc, j'ai fait un premier test avec le OneBlade de Philips et j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Alors aujourd'hui, si vous regardez ma barbe, je l'ai laissé pousser pendant une semaine, donc j'ai vraiment pas beaucoup de barbe. Mais donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment fonctionne le OneBlade et on va voir si je réussis à vous convaincre, si vous trouvez que le rasage est plutôt bien ou pas, si ça peut être à peu près équivalent à une lame de rasoir manuelle, c'est-à-dire que je suis rasé plutôt de près. Donc c'est le test aujourd'hui dans cette vidéo du OneBlade Pro de chez Philips. Et voilà, présentation du Philips OneBlade Pro. Donc c'est un rasoir à lame interchangeable. Les lames durent à peu près 4 mois en fonction de votre utilisation. Si vous rasez tous les jours, c'est 4 mois. On a un bouton pour l'allumer qui fait apparaître la charge batterie. Si vous maintenez le bouton, vous pouvez le verrouiller. Donc ça, en voyage, c'est très pratique. On a en dessous le connecteur pour le recharger. Une station de recharge plutôt pratique. Le câble de rechargement avec un format propriétaire typique de Philips. On a aussi avec un sabot qui va vous permettre de couper entre 0,4 mm et 15 mm. Et ça, c'est bien si vous voulez couper aussi vos cheveux. Et le tout tient dans une pochette fournie avec le rasoir. Alors, c'est un plan très serré sur ma barbe. Et on va voir ce que ça donne quand je rase. Ah. Prospect. Voilà, test numéro 1 réussi, j'ai la moustache. Et vous savez quoi, je n'ai jamais porté la moustache de toute ma vie. Alors je ne sais pas si ça me va bien ou si ça ne me va pas. Personnellement je trouve ça un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, a priori il paraît que c'est la mode d'avoir la moustache. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Maman, tu penses quoi de ma moustache? Bah c'est moche. C'est moche? Ah bah oui alors. Oh bah attends, t'exagères quand même. Non, mais c'est une fausse. Mais non. C'est pas une fausse, c'est vraiment ma moustache. Oh, c'est moche. C'est moche? Bah, tu vieillis, là. Bon, j'en refais une, je fais une version différente et je te rappelle. Ok, on est parti pour s'occuper de ma moustache, maintenant. Et je vais faire une toute petite moustache. Donc, on va couper légèrement ici. En passant, vous voyez le rasoir est vraiment super efficace. Et si vous regardez ici, bah vous voyez donc toutes les poils de barbe qui apparaissent ici. Bon, donc on récapitule. On a un, le collier ici. On a deux, c'est la moustache. Trois, c'est la mini moustache carrée qui rappelle soit le président turc, soit un ancien dictateur
Donc pas forcément que des bons souvenirs. Et donc numéro 4, ça va être de retirer complètement. Et je vais vous demander d'aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien pour voter et me dire ce que vous pensez qui me va le mieux. Mais en tout cas, pour revenir au OneBlade Pro, puisque c'est l'objet de cette vidéo, il fonctionne vraiment vraiment très très bien. Et j'ai rasé sans avoir une écorchure, sans avoir une coupure. Et je l'ai aussi utilisé pour couper un petit peu mes cheveux avec le sabot il y a quelques temps. J'ai aussi complètement rasé mes jambes, je sais pas, j'avais envie, donc ça a été parfait et la batterie a tenu le coup. J'ai rasé sous les bras de temps en temps quand il faisait trop chaud, donc c'est vraiment un produit que je trouve fonctionner très bien. Donc c'est vraiment un produit qui fonctionne extrêmement bien et je vous le recommande vivement si vous cherchez un rasoir de voyage. Donc on rase et je vous fais la conclusion. Et me voilà rasé complètement. Donc la vidéo va s'arrêter ici. Je voulais vous montrer un petit peu comment fonctionne le Philips OneBlade, ce rasoir de Philips qui est vraiment très pratique avec des lames qui durent très longtemps. Donc si vous l'amenez en voyage, c'est un produit particulièrement idéal puisque batterie à longue durée, lame qui dure très longtemps. Vous pouvez glisser une toute petite lame dans votre bagage aussi, éventuellement si vous voulez la changer de temps en temps. Mais je vous dis, ils annoncent 4 mois de durée de vie et j'ai vu des gens qui l'utilisaient pendant 2 ans sans la changer, en se rasant quasiment tous les jours. Donc à vous de tester un petit peu pour voir quel est un petit peu le mode de fonctionnement qui vous correspond. Mais je vous recommande vivement ce rasoir de Philips, le OneBlade Pro. Pourquoi je ne vous recommande pas le OneBlade normal? Vous pouvez l'utiliser pour démarrer, pour voir si ça vous correspond. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'avec 30 minutes de batterie ou 45 minutes, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que c'est moins cher, il y a à peu près 20 euros de différence. Est-ce que ça les vaut ou pas? Je trouve que c'est pratique d'avoir aussi le petit support pour poser, c'est plus clean. Et voilà, la vidéo s'arrête ici. Je vous mets dans la description les liens vers le Philips OneBlade, Philips OneBlade Pro et éventuellement aussi le Gillette si ça vous intéresse puisqu'il est pas mal et vraiment pas cher. Mais avec une préférence quand même pour le OneBlade Pro de Philips qui est compact, petit, grande batterie. Les lames durent 4 mois, voire plus. Il y a des gens qui les ont utilisées 2 ans, elles ne se sont pas usées. Donc c'est vraiment des lames que vous pouvez utiliser pendant longtemps. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour les acheter. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce. Ça me permet de m'encourager. Et si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez mes aventures depuis longtemps, merci. Si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes là par hasard, c'est une chaîne qui parle de technologie de voyage. Je vous emmène à l'autre bout du monde. Je vous teste des produits pratiques pour le voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World avec un rasage de près. Ciao, ciao.